Bienvenue à tous, c'est Rouge, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Star Wars Battlefront, bienvenue à ceux qui me regardent aussi sur la chaîne The Finalist Game. Installez-vous confortablement, comme je viens de le dire à l'instant même, on est sur Star Wars Battlefront. Et je crois même que c'est une inauguration pour moi, parce que c'est la première fois que je vais jouer à un Star Wars Battlefront. Étant donné qu'il y en avait plein qui étaient sur d'autres supports, hein, bien avant évidemment, hein. Je crois que le meilleur était d'ailleurs sur GameCube, si je me souviens bien. On va faire une petite game en multijoueur, hein, comme vous pouvez le voir, il y a multijoueur et mission. Le mode solo, on va pas le faire, on va le laisser de côté. Bienvenue à tous, c'est Rules, installez-vous confortablement. On va passer un peu de temps ensemble, histoire de se faire une petite game, et pour voir ce que je pense moi-même de Star Wars Battlefront. Il faut savoir que c'est juste mon avis à moi personnel. Allez, bienvenue à tous, et tout de suite on lance le multijoueur. Et là, on va aller trouver, trouver des parties. Et bien, trouver des parties, c'est bien. Et bien, on va faire trouver le meilleur mode 40 joueurs. Et là, comme vous pouvez voir à votre écran, il y a attaque des marcheurs, suprématie, et puis il y a un autre, il y a trois modes de jeu. Et on va tout de suite se faire une petite partie. Donc c'est un mode de 40 joueurs. Juste avant qu'on commence, en plus on tombe sur la map que je n'aime pas du tout, au fond des bois. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube Rules Gamer et de vous abonner aussi à la chaîne The Finalist Game. Pour moi c'est une première de se retrouver sur Star Wars Battlefront. Parce que c'est pas déjà un jeu qui m'attire à l'époque, dans les années 90. Et c'est vrai que, faut quand même se le dire, ce Star Wars Battlefront sur ces nouvelles consoles sont quand même géniales. Ils sont beaux, graphiquement. Mais est-ce qu'ils valent le coup? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, avant de commencer, hein, je tiens juste à dire, c'est un avis personnel, je le répète à nouveau, quitte à vous gonfler, c'est normal. Pourquoi je dois racheter des armes, moi? Mais c'est quoi ce bordel? Putain, lui, il a une portée de merde en plus, hein, putain. Pourquoi je dois racheter ça? Je l'avais déjà, cette arme. Pourquoi il vient de me gonfler? En même temps, Rouge, t'avais cette arme, mais bon, t'es un peu con. Ouais, en effet, j'avais cette arme aussi, j'aurais pu la prendre. Allez, je vais prendre celle-là au final. On va quitter, on va tout de suite lancer la game. Alors là, c'est l'attaque des marcheurs. Le but est très simple et très con. Il faut que les gros marcheurs qui sont ici, voici, voilà, et ben, il faut qu'ils aillent au bout afin de pouvoir gagner la game, tout simplement. Alors c'est bien, c'est qu'on tombe sur une partie qui vient de commencer. Comme ça, on va juste pouvoir se faire une game. Alors, juste avant que je donne mon avis personnel sur Star Wars Battlefront, il faut savoir que là, j'ai jamais autant parlé sans placer un voilà ou i ou quoi. C'est juste impressionnant. Mes commentaires s'améliorent fur et à mesure. Il y a une bombasse, si ça me pète à la tronche, celui qui l'a posé, il va avoir affaire à moi. Allez, premier kill, j'annonce que moi aussi je peux jeter des grenades, il n'y a pas que toi, Kéké. Allez, on va... Je ne campe pas, je temporise les amis. on va commencer à parler de Star Wars Battlefront, tout simplement. Hein, on est dessus, donc autant faire un gros bilan sur cette game, sur ce jeu, du moins sur cette game, pas sur ma game, hein, parce que bon, déjà, je suis vraiment déçu de vous proposer sur cette map, parce que cette map-là, je la maîtrise pas, hein. Je tiens à dire aussi entre parenthèses que bah, j'ai déjà joué à Battlefront, je suis déjà niveau 8. Mais cette map-là, je la gère pas du tout. Pourquoi? Parce que on est dans les bois. Et les bois, ça me connaît pas. Et c'est pas une map que j'adhère vraiment. Parce que voilà, il y a plein de feuillage, on voit rien, on profite pas assez, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste sur cette map. J'espère que il n'y a pas d'autres maps comme ça. Il me semble que non, parce que je crois qu'il y a une map où on est un peu sur la neige. Et il y a une autre map, retour au combat rules. Hein. Ouais. Moi, quand je joue, limite si j'achète pas un appartement.
Voilà. Moi, je vais te faire péter l'arbre. Je suis bûcheron dans Star Wars. Voilà, en pleine tête, dégage. Donc là, on va aller retrouver notre robot. Avance-t-elle? Oh putain, on me tire dessus. Oh putain, on me bourrine dessus, les gars. Vite, il me faut un super pouvoir. Ouais, j'ai demandé un super pouvoir, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'à mon avis, il y a du monde là-bas. Là. Il faut protéger les marcheurs, les gars. Hein, c'est le but hein, dans Star Wars, bien sûr. Les rebelles ont pu activer la station de liaison. Nous devons en reprendre le contrôle si l'on veut éviter l'assaut des Y-Wing. Donc graphiquement le jeu est beau, excusez-moi de ce fameux blanc, j'étais concentré. Hein, il faut bien aussi que je vous propose un gameplay quand même de qualité. Oh le Bibi il gère. Bibi il gère. Donc on avance. Alors il faut avancer en même temps que les marcheurs, ça sert strictement à rien d'y aller comme un bourrin. C'est vraiment pas le truc, vraiment pas le but. Parce que ben si t'avances comme un barbare, forcément, tu vas. Oui, pas quelle aide alors, gars. Parce que franchement, j'ai envie de te dire, c'est vraiment une aide précieuse. Graphiquement, le jeu est juste magnifique. C'est vrai que Star Wars Battlefront est vraiment beau. Graphiquement. Je suis même resté un peu sur le cul. C'est un jeu auquel je j'attendais aussi. J'avais déjà vu le trailer. J'avais déjà vu le trailer de avant son lancement, hein, la présentation, tout ça, etc. Et c'est vrai qu'il est juste, il est super. Après, j'ai oublié de vous dire, les développeurs du jeu, c'est Electronic Arts. Et je crois qu'il y en a un autre, je me souviens plus, je crois que c'est le même créateur qui a fait Battlefield. Et donc, voilà, défoncé. Et je trouve que Electronic Arts, ils ont fait un bon travail. Et mais je suis chaud patate, hein. Et voilà, là, cette élimination. Mais il est pas chaud de la carotte, le Rules. Ah merde, bordel, je me suis fait défoncer. Après, ce que je peux aussi vous dire, bon, forcément, c'est un peu une vidéo à l'arrache, parce qu'il faut savoir que moi, mes vidéos, je sais pas ce qu'il y a dans mon appartement, je crois que je dois être bourré de parasites, c'est pas possible, c'est un truc de malade. Je recommence pour la deuxième fois la vidéo. J'étais un peu dégoûté, parce que ma première était pas dégueu. J'avais fait un commentary de professionnel, super, mais... à cause des parasites, bah ça a déconné. Bon, on va revenir un peu sur la game hein, quand même. Hein. On n'est pas là pour parler de mes problèmes de parasites qu'il y a chez moi. Alors, ce qui est bien sur Star Wars Battlefront, c'est que je trouve que les parties sont très longues. Donc ça nous laisse énormément de temps de jeu. Histoire de se bourriner un peu la face. Avec le côté obscur. De Darth Vader. Et c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, hein, sur ce mode bourrin un peu spécial. Alors, les modes de jeu, il y en a énormément. Excusez-moi s'il y a des blancs, si j'arrête de parler ou quoi que ce soit. C'est parce que, je me concentre aussi. Il faut bien que je vous propose quand même quelque chose de beau et non pas quelque chose de dégueulasse. Voilà, Luke Skywalker, le fils de Walker de Chuck Norris, qui vient d'apparaître. Alors, il est où le marcheur? Le marcheur, il est là. Bon, donc lui, il faut le défendre. Hein. Il faut qu'il soit tranquillou, il faut qu'il avance. Il faut qu'il arrache un peu tout. Voilà, je me fais tirer dessus. D'où ça vient? Ça vient de là-bas, c'est normal. Voilà, toi, t'es mort. Hein. Même si c'est pas moi qui t'ai tué, c'est pas grave. Donc, il y a 16 modes de jeu, ou 15 modes de jeu. En tout cas. Donc vous avez le choix en mode de jeu, hein. Vous pouvez faire des parties avec 12 joueurs, il n'y a pas besoin d'être aussi 50 000. C'est chiant parce que, voilà, le problème des armes, voilà, le petit truc que je pourrais peut-être reprocher à Star Wars, il y a même deux petits trucs à quoi je pourrais peut-être reprocher à Star Wars, c'est les armes.
le recul des armes que je trouve qu'ils ont, ils sont pas assez poussés. Tout simplement. Et ils pourraient être un peu plus poussés, ça veut dire que en termes de recul, je parle, bien sûr. Je parle bien en termes de recul. Je trouve qu'il n'y a pas assez de recul, donc ça donne quand même une facilité à jouer. Hein, et je trouve ça déjà dommage. Après, le deuxième point négatif, le mode campagne. Voilà, ils auraient pu nous proposer un mode campagne. Parce que ben, il faut penser quand même aux gamers qui, eux, n'aiment pas du tout le multijoueur. Ils sont restés encore à l'ancienne. Ils ont bloqué sur les campagnes. Et c'est vrai que les campagnes, je trouve ça un peu... un peu con qu'ils n'ont pas été mis. C'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est le deuxième point négatif. Et peut-être que je vais peut-être vous trouver un troisième point, même si je l'ai déjà en tête. Et ben c'est que je pense que les Star Wars, bah, ça reste Star Wars quoi. Hein. C'est voilà, le recul des armes me manque. Vous voyez, le recul des armes me manque énormément, je trouve. Ah là là, qu'est-ce qu'il fait lui là? Ouais, le recul des armes me manque. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de recul. Bon, c'est pas grave, après, hein, on va pas non plus manifester dans la rue. Hein. Mais c'est un peu dommage quand même que ben y a pas ça. Allez, hop là, on lance une petite grenade. Alors, j'en ai deux, je crois, là, à faire. J'en ai un qui était là, qui est mort. Et j'en ai un autre, là, qui... je sais pas par où il est passé, il est là. Oh là là, comment ça joue, sérieux, quoi. Tu vas mourir. Voilà, et tu es mort. Bon, moi je reste toujours vers le marcheur, histoire de le protéger un peu, histoire de pas faire le barbare non plus. Et je change énormément d'endroit, le temps que mon arme se refroidisse. Parce que c'est des armes en fait qui se chauffent, qui chauffent énormément. Comme les appareils de chez vous hein, également. Et il faut laisser un peu l'arme se refroidir, histoire de pouvoir... rejouer à nouveau. Ouais, j'ai chopé quoi moi? Et honnêtement, je sais pas ce que j'ai attrapé les gars, mais là, je vais tout péter. Alors, oui, entre parenthèses, j'ai oublié, entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses, je sais pas du tout. Ouais, mais là, je vais tout péter, c'est même pas la peine, laisse tomber. Là, c'est la fin du monde. Là, c'est même pas la peine. Je sais même pas où je dois aller. Alors, là, je vois qu'il y a mon... Alors, attendez, parce que là, je sais même pas ce que je suis en train de faire, sérieux, quoi, c'est n'importe quoi. Vous allez tous mourir, vous m'avez tous gavé, étant donné toi, tu m'as gavé, toi. Alors, on peut utiliser les robots, les vaisseaux. Ah là, on peut vraiment tout utiliser, et c'est ça qui est bien sur ce jeu. Toi, tu vas mourir, mais tu le sais peut-être pas encore. Voilà, dégage. Bon, moi, je suis un peu coincé, là, entre deux arbres, là, hein. Ça serait peut-être bien que je dégage. Putain, merde, on me bourrine dessus. Je sais pas d'où ça vient, ça me gave. C'est un truc de fou. Allez, descends. Il descend pas? Sérieux? Un robot qui descend pas, gars? Oh, tu contrôles le robot. Mais non, mais lui, il descend pas, lui. Pas envie de descendre. Elle est morte. Voilà, dégage. Hein. Moi, je casse tout, j'en ai rien à foutre. Voilà, si vous voulez du bois... Ah, mais je me suis foutu, sans déconner. Oh là là, mais c'est le bordel dans les bois, sérieux, ils auraient pas pu nous mettre une map ailleurs. Bon, moi, je suis un peu coincé. Hein? On va redescendre, nous, hein, hein. On va pas passer par là. C'est trop dangereux. On va quand même aller... On va quand même descendre. Allez, mais oh là là, mais... Il met...
Il met un temps fou en plus à descendre, à marcher ce machin, c'est impressionnant. Putain, oh, On peut pas courir avec lui? Ah si, on peut courir, il suffit de rester appuyé sur R3. Mais putain, mais pour un robot, sérieux, il voit un rocher, il descend même pas, ça c'est aussi abusé ça. Allez, on arrive. Attention, on n'est pas pressé. Allez, on y va. On avance doucement. Oh là là, ce bad. Sérieux quoi, et j'ai mis 3 quarts d'heure pour faire le tour. Non mais n'importe quoi. Allez. Oh, je peux pas passer. Bah il fallait pas nous mettre une map dans les bois si on a des robots comme ça alors qu'on peut même pas y passer. Bon attends, laisse moi passer devant parce que moi j'ai envie de défoncer du monde moi. Ça commence à me gaver là. Je croise personne. Ils ont bien avancé en fait hein, ceux dans mon équipe. Bon, est-ce que Star Wars vaut le coup? Est-ce que Star Wars... Ben il faut l'avoir chez soi. Bah oui, bien sûr qu'il faut l'avoir chez soi, attendez, oh, c'est quoi ce délire? Après, une petite note derrière? Allez, on va lui donner une petite note, tiens, histoire que... Lui... Ouais, c'est bad, j'ai mis un moment. Ouais, d'accord, ok. Bon, mais en même temps, il a bien fait de me tuer, lui. Hein, allez, c'est parti, nous on continue à pied. Ah, ça va déjà mieux, hein. C'est vrai que c'était pas un robot efficace, hein. Mais oui, normal, lui il me vise. Mais non, mais lui il a pas de mal lui. Ah ouais, mais en même temps les gars ils sont niveau 52. Tu m'étonnes, le jeu ils l'ont complètement torché limite. Tu m'étonnes qu'au final... Ah d'accord, ok, super. Allez, on continue. Bon, alors ce jeu, oui, il faut le posséder chez soi. Par contre, sa note risquerait d'être... je risquerais d'être un peu sévère, mais bon, c'est normal. Je mettrai un petit 13 sur 20, allez. Hein. Moi, je note toujours sur 20, hein, faut savoir. Un petit 13 sur 20. Est-ce que c'est un jeu, franchement, qui risquerait de durer dans votre lecteur CD de votre console? Non, pas du tout, je pense pas. Mon avis, pour moi, c'est pas non plus un jeu... qui risquerait de... Voilà, ça risquerait de vite vous lasser. Ça peut durer un temps, ça c'est sûr. Hein. Ça peut durer un temps, mais ça peut vite, très vite vous lasser. On va avancer fur et à mesure, nous. Oh, ce que... mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Mais ouais, regardez-moi ça, sérieux, l'autre, il arrive même pas à se battre avec... Luke Skywalker, le fils à Chuck Norris. En fait, c'est... en fait, tu mets Darth Vador et Luke Skywalker dans ce fameux... Star Wars, en fait, t'as affaire à deux alcooliques qui ont 4 grammes chacun, qui est en train de se prendre la tête, mais en fait, ils n'arrivent même pas à se viser, les mecs. Allez, nous, on poursuit. Il nous manque plus que quelques mètres à faire, on va dire. Oh putain, mais lui, il est avec moi, lui. Alors, ouais, c'est vrai que cette map, elle est horrible. Ils auraient pu quand même nous proposer meilleur en map, hein. C'est vrai que là, ils ont un peu abusé. Voilà, on sait que dans les bois, c'est du vu et revu et revu et revu et revu. Tout simplement. Oh là 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 là, mais Albert là, bouge ton cul, putain, mais sors un peu de ton trou là, sérieux, le mec il est là, il est dans son coin, il bouge pas, vas-y, perso, moi je reste là, parce que bah je joue ma vie, hein. Putain, sérieux quoi. Oh, on est dans Star Wars là, oh, tu te crois dans Call of, mec, ou quoi, c'est... Oh, ça sort de chez toi un peu, mec. Bon, je vais vous en proposer, hein, des... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fous? Où je suis? Hein? Où je suis? Vous êtes perdu? Loin? Très loin. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok, pas de soucis. Oh putain, le gameplay de merde, quoi. Sérieux, le gameplay, il est juste horrible. Même moi, je le dis, tu vois. J'arrive pas à avancer dans le jeu, ça me saoule. Bah allez, moi, je vais monter... Parce que à mon avis, ils sont tous dans les toits. Ouais, on va passer par là. C'est parti, Rules. Allez, on y va, on avance. Le but, c'est de les défoncer.
Ah bah enfin, j'ai fait un kill. Eh, pas beau ça. Allez, toi dégage. Aussi. Hop là, moi, je fais du double jump. Alors, Albert de Monaco, il est où là? Parce que lui, je vais le défoncer, lui. Lui, quand tu vas prendre une... Tiens, dégage. Dans ta gueule. Moi, je vais rester là. Je me sens bien ici, honnêtement. Hein? Je vais faire comme Albert. J'ai l'impression que je vais acheter un appartement. Ah, mais on peut monter encore. Oh, ce bad. Ah ouais, carrément, quoi. Ah ouais, trop bien, quoi. Ah, on peut redescendre aussi. Ça, c'est pas mal. Hein? Je commence à avoir la tête qui tourne, perso. Allez, c'est parti. On continue d'avancer, nous. Putain, c'est qui me bourrinait dessus? Victoire, on a gagné. Ouais, youpi. Voilà. Tout ça pour ça, c'est génial. Donc voilà, c'était moi sur Star Wars Battlefront Rules, hein, sur Star Wars Battlefront. Ah, j'ai fait une bonne game 18-14, c'est pas dégueu, franchement. J'aime bien. Ouais, ça va. Ça va. Donc voilà, c'était mes... Donc, avant qu'on se quitte, je tiens à vous dire, c'est quand même mon propre avis sur ce jeu. Je le trouve génial. Il est super. Graphiquement, il est beau. C'est créé et développé par Electronic Arts et ceux qui ont fait aussi les Battlefield. Donc ça doit être Juice, je crois, un truc comme ça. Il y a 16 modes de jeu sur Star Wars The Battlefront. Dommage qu'il n'y a pas le mode campagne. Dommage que le recul des armes ne sont pas terribles que ça. Ils auraient pu en rajouter des reculs, histoire d'un peu plus, au niveau des duels. Voilà, que ce soit des bons duels. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein, on était sur Star Wars Battlefront. Hein, on était du côté obscur. On va tout de suite en ressortir pour prendre la réalité en face. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube Rules Gamer. De venir aussi vous abonner à la chaîne YouTube The Finalist Game. Si vous me regardez dans cette chaîne, retrouvez-moi aussi sur Facebook, Twitter et Twitch, Rules Gamer. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos en mode gaming. J'espère que la force sera avec vous. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos sur Star Wars qui déboulent. Portez-vous bien, c'était Rules sur Star Wars Battlefront. Salut les gamers.